Bleu. Non, non, ne tombe pas, surtout pas, ne tombe surtout pas, Marmoud. C'est bon, j'ai le véhicule. C'est quand même un joli véhicule, hein. Que pour toi, Hein? Ah ouais, on arrive devant le véhicule, on crève. Je peux même pas monter la montagne. Je crois que j'ai tué le pilote, en vrai, j'en sais rien. Ah, c'est bon. J'ai tué le pilote. Et lui, je vais lui défoncer son pilote aussi. J'ai tué le pilote des deux. On peut enfin se barrer. L'hélico, il tombe sur la voiture. Livrer ce véhicule au commissariat le plus proche pour gagner de l'argent. Non, non, non. Non, fais pas ça. Non, t'inquiète, c'est bon, je vais te le rendre. Je me barre juste et je te le rendrai juste devant le commissariat. T'en fous juste. Non, par contre, c'est. Je vais me le rendre juste devant le commissariat, mais t'as. Bah, à côté. Là, il y a encore des hélicos. Comme ça, ils vont aller vers moi. Mais non. Mais du coup, ça me rapporte combien si je le mets au commissariat? J'en sais rien. Il faudrait tester, c'est tout, ça me rapporte 20 000. Non. Il doit y avoir 2000. Et pas juste de sortir. Même sympathique à savoir que je peux l'amener à n'importe quel commissaire. Mince. Vraiment l'amener au commissariat, le machin il coûte 10 000 maintenant. Et du coup tu payes pas si j'amène le commissariat, ça se trouve. J'amène le commissariat. Je le mets vraiment. Rejoins le groupe d'aide. Pourquoi il te rapporte combien le véhicule? Je sais pas. Là maintenant 70 000. Il te rapporte 70 000, mais je vais pas le mettre au commissariat. Dis, vas-y. Ok. C'est pas ça. Bah, il me demande. Ça se trouve, il va pas payer vu que c'est les frais. Ah, mais oui. Vu que c'est les frais de la gendarmerie, logement, c'est la gendarmerie qui va payer. C'est pas toi. Enfin, moi, dans la logique du RP, c'est ça. T'es sûr? C'est pas ça. T'es sûr? C'est pas ça. Ouais, vas-y. Ça me rapporte 5000. C'est nul. Grave. Imagine, on a inventé un nouveau glitch. Moi, je peux pas rentrer dedans. Est-ce que je l'exploserai pas? Marqué que je suis en mission, c'est un truc de dingue. Attends, je vais exploser le véhicule comme ça, on est sûr que. Y'a pas de problème. Vas-y. Hein, il a. Mais il est encore marqué sur la map alors que j'ai explosé. On peut encore rentrer dedans, mais il est indestructible ce véhicule. On peut pas rentrer dedans, mais. Non, mais il est pas détruit en fait. Il est esquinté. Esquinté. Il est complètement bizarre. Quelqu'un aurait un lance-roquette ou un truc pour le défoncer. Attends, où est le moteur là? Oui. Si tu pouvais tirer dans le moteur, ce serait parfait parce que là, je comprends pas. Salut. Non, ça va exploser, bon, vas-y! Fais tout péter! Non, mais là, non, mais c'est abusé! Il est encore en vie! Il est complètement défoncé le véhicule! C'est un truc de dingue! J'arrive pas à rentrer dedans, c'est chiant, t'as vu, on est bugué comme ça! Oh, on est en toi! Ah, t'as pas de t-shirt! Non! Truc de ouf! Merci! Pas demandé de voler ma voiture, ma moto. C'est une moto. Camarnu. Eh, j'ai deux étoiles en tabassant. Eh, la portière. Allez, roule. Ah non, il y a encore ton cadavre. C'est toi qui tombe, attends, c'est n'importe quoi. Allez, au revoir. Gaillard, la moto. Wow, tu te calmes, oui. T'inquiète, vas-y, je me calme. Descends de la moto. Jamais. Mais il fout, lui. Je sais pas descendre. Aïe. C'est par là, la route. T'as vu comment je suis tombé? Tu vois le train, bah. Attends, j'arrive. Tu me vois, là? Ah.
Attends, je suis gouré. Je suis gouré. Je voulais sauter à droite, mais j'ai sauté à gauche. 911. C'est bon, j'ai appelé. Bah, j'appelle en fait, je suis en train d'appeler. En plus, ça marche vraiment. Bah oui. Hello, bonjour, vous êtes au 911. Quelle est la nature de votre urgence? Alors, faudrait que j'appelle la police. J'ai un souci, il y a un handicapé qui m'a mis dans une ambulance. Alors que c'est moi l'ambulancier. T'imagines? Oh mec! Bon, je conduis. Hein. Comme ça. Je conduis. Bouge, je conduis! Laisse-moi conduire! Laisse-moi conduire! Laisse-moi conduire! Conduire! Laisse-moi conduire, je suis un petit copain! Oh merde! Oh le crétin! Oh fais chier! Eh merde! Tu vois pas l'animation là? Non, je vois rien mec. Pourquoi j'ai fait ça? Mec est bloqué dans une animation, il va devoir voir deux animations pour sortir et revenir. Je pense, je vois qu'il y a un truc à dire. Tu me dis rien quoi. Je trouve ça dégueulasse personnellement moi. Surtout après tout ce que j'ai fait pour toi. Je me bats pour être gentil avec toi et qu'est-ce que tu fais à chaque fois? Alors tu me fais pas confiance, dès qu'il y a un truc tu me le dis pas. Moi je te dis tout. Ce que je sais. Mais tu reviens en fait. Ok, je reviens. Et tout de suite. Mais cochon, t'es sérieux? Je crois que je vais me barrer parce que c'est pas le truc à faire. Ah, je suis passé sous une voiture. C'est pour ta gueule. T'es chiant. Non, arrête, je vais mourir. C'était tellement stylé. Non, arrête, me tue pas. Tu mérites de quoi? En fait, on peut pas se tuer. T'es sûr? Vas-y. Ouais, on peut pas, mais. Je me disais aussi. Quand l'hélico était tombé dessus, vu que c'est moi qui l'a balancé, t'es pas mort. Mais mec, c'était violent. C'est quoi pour ça que j'avais une mission qui pourrait rapporter? Mec, il vient de se passer un truc. Ah mince, c'est pas toi ça. Oh non. Oh mec, t'as tellement loupé un truc. Pourquoi? Mec, je suis arrivé en voiture, il y avait un mec, j'ai cru que c'était toi, je voulais t'écraser. Et alors il y a une voiture qui passe en même temps, je saute au-dessus de la voiture. Ma voiture elle vole, elle fait une sorte d'accident de bras, ah, je suis sorti. Ah mais en fait tu m'as écrasé moi. Tu ah c'était toi expulsé de 20 mètres. Ah c'était toi du coup alors. Qui a volé ouais. Ah bah c'est bon alors, j'ai pas loupé mon coup. C'était tellement stylé. Mais ils sont chiants les bagnoles là. Il y en a naturellement. Niveau 30, comme ça je commence direct avec le blindage à 40%. Il y a un gros, il est chauve et gros. Prends ça, mec. Je suis vraiment désolé, mec. Il y a un truc qui vient d'exploser dans le garage. Prends oui, surtout pas la voiture bleue. Hein. Vite, vite, bouge-toi, mec. Il y a la voiture bleue qui va exploser. Vite, casse. Oui. Ah non, c'est bon là. Ah non. Ah le feu s'est éteint. La chance. C'est sûr que tu prends de luxe là. Oui, j'ai pris une déluxe. Après, faudra qu'on vienne pour en rechercher deux. Ah bon? Il nous en faut qu'une. Il nous en faut quatre. C'est sûr que c'est au complexe, il faut les livrer parce qu'on est vachement. Non, par contre, faut pas les mettre le complexe, hein. Faut les custom. Hein. Et après, tu les ramènes. Ah merde, du coup, j'aurais pas dû l'exploser. Non, mais c'est pas grave, ce sera gratuit, je crois. Et tu vas avoir l'air très intelligent pour le braquage. Oh non. Si. Je vais pas le voir. On dirait un clochard qui a custom le truc. Le clochard à moitié riche, c'est un clochard qui a gagné de l'argent. Si t'es dans le braquage, ce sera ta bonne. En fait, c'est demi clochard, demi riche. Il y a un gros, même un gigantesque côté clochard et un petit côté riche. Un qui petit. Est très petit. Très très petit d'ailleurs, c'est deux traits sur la voiture. Le truc devant et le truc derrière. Bah oui. Construis prudemment ici, hein, parce que tu peux tomber dans les ravins tout le monde. Ah. Oh le fou. Attends-moi mec. Et attends-moi, je monte derrière, c'est bon.
Ouais, t'allais monter derrière là, vachement. En plus, j'aurais pu. Je peux t'enlever si je veux. Hein. Ok, fais gaffe. Je peux même plus rentrer dans mon propre véhicule. Arrête, c'est vrai que t'étais en train de rester appuyé sur le rond. Ok, vas-y, allez, pilote, c'est pour ça qu'il va me saouler. Je voulais même pas piloter en plus. Bon, tant pis. Ouais, c'est ça. Je voulais vraiment pas piloter, mec. Tant pis pour toi. Mec, il est parano, j'ai l'impression. Ma portière. Mais tu vas où là? Bah, au point. Non, mais t'as une nouvelle rocher là, mais... Regarde. Oh, putain. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe! Ça passe. C'est passé, ah, mec. Non. Oh non! T'es pas là par tous les moyens. Bah, franchement, tu verras que on a un souci. Si. Pour l'instant, c'est marrant, mais dans 2 secondes, tu vois. Si tu pouvais pas taper un peu dessus, genre pour les conseils, parce que là. Attends. Oh non, mets une bombe, mets une bombe! Ça va pas exploser vu que c'est mauvais. Elle va exploser. Mais non, vu que je suis dedans. Réfléchis. Mais elle va exploser. Mais non. Non, mais j'ai pas fait de la payer. Tu vas pas la payer, on est en mission, mec. J'ai rien payé moi quand j'ai quitté ton véhicule. T'inquiète. On est bloqué comme des abrutis. Attends, je vais tenter un truc moi. Mais mets-toi dedans. Mais elle va exploser, mec. Attends, j'ai une technique peut-être. J'ai une technique peut-être. Tu veux pas mort. Allez, je... Attends, j'arrive. J'arrive, Fugada. Mais il s'en fiche, il a même pas regardé, il continue. Non, j'ai même pas vu. Il regarde même pas, il en a rien à branler. Allez, Jean-Michel. Eh oui, le Tour de France. Ah, vas-y, prends le quad là-bas. On fait une course de quad. Non, mais il y a un quad juste devant. 2 1 Go! Ah merde, c'est pas par là! Ah merde, non! Plus les quads ils vont pas vite. Le mec s'est bloqué comme un débile. Oh non, j'ai une charge d'action. Le mec est toujours obligé de tricher. Oh non! Karma, c'est le karma. En plus, une voiture qui a. Vas-y, tricheur. T'es parti avant, ça compte pas. Attends, pousse! Pousse, je crois qu'il y a un truc à côté de ta voiture, bouge pas. Elle dit excuse qu'on fait en primaire, t'es. On va reprendre ton quad. Hein. Je reprends mon Merci. Quad du coup. Gros tard. Eh, y'a bien la sécurité ici. Bon, du coup. Oh, mec, c'est trop violent. Il est autant cassé là. Ouais, c'est un coup, toi. Ah, ce mec c'est tellement stylé avec ses cheveux roses. Au moins on peut pas me perdre. Hein. Si t'as fait de foraine, tu vois le seul gars avec des cheveux roses, c'est moi. Gars, je peux pas te taper vu que j'ai pas la visée ami. Enfin, t'es où en ah fait bon, t'es sûr? Oui, c'est vraiment plus sûr. Toi, normalement, tu peux me taper. Vas-y, tape. Ah non, en fait, non, c'est parce qu'on est dans le groupe. Mais normalement, moi je l'ai pas la visée ami aussi. Hein. Est-ce que je peux te tuer, tu vois? Oh non! T'es fou? Oh, tu montes? Oh non! Et d'où tu meurs avec la peu de vitesse que j'avais? J'étais à 10 km/h en même temps. Arrête, t'as vu ta vitesse de pointe là. Non. Hein? J'étais au mag. J'étais même pas. Pas dedans. Voilà. Mais quand même, prends du temps avant d'arrêter de tirer. En plus, elle a une bonne tenue de route, j'aime bien. Enfin, bonne tenue de route quand tu sais conduire. Le sable. Mais attends, descends là, je vais te la conduire. Sur le sable, elle conduit trop bien. C'est juste toi qui sais pas conduire, mec. Est, elle est faite pour le sable de base, hein, celle-là. Vraiment. Elle est bizarre, hein, pour elle. Ah ouais, elle est faite pour le sable, hein, comment elle tourne. Bah, elle marche bien, mec. C'est toi qui sais pas conduire, mec.
Ouais, quand tu zigzags à moitié. Ouais, mais ça marche. Faut juste pas accélérer comme un fou dans le sable, hein, c'est tout. Il faut savoir conduire tout terrain, c'est pour ça que je suis pilote du bazar. Hein. Faut savoir piloter. Ah, c'est 9 km en plus, c'est où ça? Faut connaître le véhicule, hein, mon cher Boogie. Ah ouais. Mec, l'armée qui arrive! Mais arrête, reviens! Je suis un fou, moi! C'est bon, ils sont tous morts. Il faut qu'on trouve des escaliers. Là-bas, dans le fond, il doit y avoir des escaliers. Attends, il y a un gros carré blanc là, c'est par là. Sûrement. Hein. Je crois avoir trouvé, j'ai trouvé des escaliers. Ils sont là. T'es où? Attends. Non, j'ai pas du tout. Ça. Ici. Et là, le gros carré blanc que tu disais. Oui, je suis dans le carré blanc, mais. À moins que la salle, elle est en bas ou elle est en haut? Non, elle est en bas. C'est vrai? Ouais. Ah, il faut que je pirate, mais il faut que quelqu'un me couvre. Attends, j'arrive. Ah, j'arrive! Non mais on va buter les ennemis et on va après faire ici. Mais non, pirate, je m'occupe d'eux, t'inquiète. Mais si, parce que je peux pas mettre à couvert. Donc si je meurs... Mais non, c'est bon, pirate, vas-y, pirate, bordure de bras et warspawn sinon. Mais, ouais, mais... C'est bon, pirate. Pirate, là, on aurait déjà eu la moitié. T'es un pirateur ou tu pirates pas? Mais il veut pas pirater. Voilà. Couvre-moi, hein. Bah tu crois que je fais quoi, là? Je danse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, c'est une putain d'énigme! Oh non! Mais j'ai pas envie de faire ça maintenant, moi! Si. Ça va, il me tire que dessus, il tire pas dessus encore. Je sais même pas s'ils peuvent en plus, tu tires dessus. J'espère pas. Bah, j'espère pas. Mais c'est ultra chiant leur truc là! Ouais. Pour l'instant, la mission de fin du monde avec des trucs chiants. Bah, ça va encore, c'est marrant. Ça va encore. Ah, c'est drôle, tu as fait les gens, tu sais. Ah oui, on tue des gens. Par contre, il respawn. C'est vrai qu'il respawn. À chaque fois, il respawn au même endroit en plus. Cochon là-bas. Attendez, derrière nous. Oh la vache. Pourtant, t'es super caché. Hein. Je vois pas comment ils tirent dessus, les gars. Ouais. C'est vrai qu'ils essaient de tirer dessus en plus. C'est des fous. Ouais, bah. Mais avec l'armée, quand tu veux. Attends, j'en tue toutes les secondes. Même pas une seconde est passée. J'en tue déjà. Comment je fais là? Je sais pas. Moi non plus. Je vois pas. Ah la wall again! Ah, je peux pas comme ça. T'as réussi? Non, je peux pas. Non, je peux pas comme ça. Donc le missile va nous exploser en 4 minutes. Hein. On va tous crever dans 4 minutes. Dans 3 minutes, ouais. Mec, si tu réussis pas ça, pas on est. Raining, mais on est dans GTA, on est pas mec, dans GTA. Mec, c'est la fin du monde. Hein. Le monde explose si tu sauves pas. En fait, t'es en train de sauver le monde là. Ouais bah c'est ratage de bras. Bah, c'est pas pour te stresser mais le monde ce qu'on est en train de faire, le monde en dépend. Ouais, je voulais pas te stresser en disant ça mais ce sera la fin de GTA quoi, le monde est fini. On sera tous morts. Il restera que des riches. Bon ça va, je suis riche donc je survivrai mais. Quand même attends. 300 000 pour sauver le monde la vache. Mais je comprends rien. Non, t'as perdu. Oh non, mais je comprends rien là, l'énigme. 3 minutes bientôt. Pile 3 minutes, il te reste. Arrête, mais me stresse pas, non, il reste 2 minutes là déjà. Non, 3 minutes, mais on n'a pas le même chrono, c'est pas possible. Ma montre est pas à l'heure, quoi. Y'a un problème avec ma montre. L'énigme de c'est pas pour te stresser, mais il te reste 1 minute, quoi. Non, je rigole. T'es chiant là. Le monde en dépend. Tu veux le vite, sommes nous. Oh, j'ai réussi. Non, c'est vrai! J'en sais rien. J'espère, hein, parce que puis la vache, tous les. Non, enfin, je veux dire, j'avais réussi à faire un truc, quoi, je veux pas dire. Mais je sais pas, j'ai pété un truc rouge. Eh, le monde en dépend, n'oublie pas! Oui! T'as réussi! Oh la vache! Bon, heureusement, parce que je commence à plus. Plus qu'un niveau! Quoi? Encore? Ok, c'est le dernier truc là, on verra pas qu'on meurt. C'est quoi toute cette armée là? Putain, tu m'étonnes que t'as plus de balles en fait. Mais toutes les secondes, j'en tue deux. Je vais te suivre. Hein. Ah oh, j'ai failli mourir.
Vas-y, suis-moi. C'était pas français. Bah attends, je reprends de la vie et j'arrive. Ah ouais, mais si tu me suis pas, les ennemis vont spawner derrière toi, donc ils vont te tuer. Il y a du sang de partout, ouais, vu tous les morts. Bah, chaque okay, tache de sang, c'est un mort. Il y a du sang de partout. La moquette qui est dégueulasse. En plus, on y était à la salle de serveur tout à l'heure. Celle où on doit y aller. Non, mais on doit pirater plusieurs endroits pour pouvoir pirater le coffre qui nous sauvera de l'explosion. Même s'il nous reste 2 minutes et on est mal barré. Mais je stresse. En plus, c'était ultra chaud Enigma, alors je vais même pas imaginer l'autre. J'espère qu'elle sera super facile. C'est... J'espère aussi. Le mec, il se perd des choses improbables. Oh, mais y'a des mecs là. Non. Non. Oh non, y'a un gars là. Vache. Y'a des gars de partout. Ils sont des fils dans 2 minutes. Ok, là, faut foncer. Cours, mon gars, la cours. Mince, derrière moi, y'a un gars. Mais il a respawn. Oh non, mais je t'ai tué tout à l'heure, Jean-Michel. M'énerve, lui. Toujours à respawn. C'est bon, il y a la salle des serveurs juste là. Je vais essayer de tuer tout le monde qui est dans la salle des serveurs parce qu'il y en a une tonne. C'est bon, ils sont tous morts, tu peux rentrer dans la salle des serveurs tranquille même si t'es pas là. Putain, plus qu'une minute 30, ok, je vois le compte à rebours. Vête ça va aller ultra vite, mais si l'énigme est longue, ça va être chaud. Vête mort en dépend. On commençait à aller au premier serveur. Notre vie de riche en dépend. Ta voiture en dépend. Attends, laisse-moi voir. Oh ouais, non, c'est mort. Hein. Tu veux que je le fasse? Non, non en fait bah, non. Non le sauver. Surtout que je me suis chauffé là sur les mitraillettes. Mec je pourrais faire la tir au pétanque ou je sais plus quoi là. Tir au canard, j'y arrive chassé tout à l'heure. 56 secondes. Mais je stresse. Mais vas-y mais là j'aurai pas le temps. C'est pas grave, arrête de stresser, tu peux y arriver. Je te dis, j'aurai pas le temps. Mais non. T'inquiète pas quand. Mais d'où on a un compte à rebours aussi, arrête. Peut-être le mode difficile, mais non, je pense que ça fait partie du truc. Non, de base, on a vite un compte à rebours. 27 secondes. Oh, mais arrête de. Bah, on est... C'est mort, de toute façon, c'est mort. Ouais. Mais c'est bon, calme-toi, c'est rien, c'est une mission, on a juste perdu la fin du... C'est la fin du monde si tu perds, c'est tout. C'est rien, hein. C'est pas comme si on allait tous crever et qu'il y aura plus de planète et plus de GTA. Hein. Qu'on pourra plus regarder Netflix vu qu'on sera tous morts. C'est tout, hein, mec, c'est rien, t'inquiète. Hein. Mais non, j'avais réussi. Mec, il restait 2 trucs et je suis en train de péter l'avant-dernier. Et le one and putain. Et tu te parais combien qu'on va reprendre juste avant? Je sais pas. Mais j'ai tué 142 personnes, ça je le sais. Quoi? Alors, petit message pour ce qui va suivre. Alors, la voiture, c'est la Bouga Mobile. Grâce à moi, Bougana a pu l'acheter. Voilà, j'espère que vous allez aimer ces images. T'as vu, il y a un 22 sur la voiture. Ça porte bonheur. Ah, c'est la Bougana. Oh! Ah, t'inquiète, je teste. Mais il est agressif! Ça, c'est bien un joueur GTA, ça. J'ai rien fait, j'ai juste fait un drift et quand j'ai vu qu'il a bougé, je me suis remis pour le reprendre. Ouais, mais t'étais en train de te barrer, quoi. Ouais, je suis un médecin, je fais disparaître les gens.